Salut tout le monde les gens, c'est Never. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo donc sur GTA 4 épisode 20. Je crois que c'est ça, ouais, épisode 20 ou 19, mais je crois que c'est plus le 20. Ouais, ça doit être un truc dans le genre. Donc on va faire quoi? Bon, d'abord j'ai la flemme de prendre une voiture, donc on va faire spawner une. Super GTA, tiens. Donc oui, si parfois vous voyez que ça s'active, c'est normal parce que même c'est quand j'appuie sur F9 ça l'active. Le problème c'est que F9 pour capturer c'est ça. Et que je crois que j'ai eu la flemme de le changer il y a 2 secondes. Donc c'est pas trop grave. J'espère juste que vous allez. Attendez. Coupure. Voilà, normalement vous devrez mieux entendre le jeu. Enfin un peu plus fort déjà. Et moi aussi ça gueule là. Putain, alors. On va aller voir qui. On va voir là-bas. Oui, bon, par contre, le nitro, ça fait enlever un peu de la carrosserie du véhicule. Donc voilà. Oh. PGM. Ouais, il est tout juste tout pour que ça glisse, quoi. Oh! Merde. Wallpaper. Juste l'hélico est prêt. Ok, d'accord, on va y aller. Putain, c'est pendant la nuit, carrément. Ah, je vois c'est quelle mission on va devoir. Je vais devoir piloter un hélico, mais bon, là j'ai ma manette, donc ça devrait pas être trop compliqué. Putain. Putain. Bon, on y retourne. Hop là. Merde. Oui, bon, c'est pas grave, je conduis comme une. Donc, oui, ça faisait longtemps que j'avais pas upload d'épisode. Donc, normalement, à partir du 5 août, Let's Play de GTA 4 et épisode From Liberty City devrait reprendre. Parce que j'étais parti en vacances. Et là, pendant un mois, je travaille, donc voilà. Pour faire un petit peu de sous-sous. Et pour m'acheter de nouvelles pièces pour mon ordi. Parce que c'est un vrai caca, cet ordi. Même si il tourne, enfin, la carte graphique tourne assez bien. Même si j'aimerais bien la changer, parce qu'elle est plus assez puissante, je vais vous dire. Putain. Dégage. Hop là, on est arrivé. Ouais, moi je t'en morning. Ok, on y go. Ouais, c'est. Si vous entendez des grincements, c'est ma chaise. Si l'hélicoptère a une occasion de l'abattre, ok. Je sens que ça va être très très bien dans la nuit, surtout que je vois rien du tout. Un putain de lance-roquette. Déjà on va avoir du mal à le repérer. Galengo. Donc oui là je capture pas avec action. Je capture avec avec DxStory. Parce que j'ai quelques bugs avec action en ce moment. J'ai une meilleure fluidité avec DxStory. Attendez, il faut juste que je reprenne les réflexes, en plus je vois. Vraiment pas grand chose là. Hop. Attendez, il est où? Ah, il est là. Ouais, tu peux l'abattre là. Côté le bouffon. J'espère. Je suis en fait, vas-y, je suis le.
Oh merde. On va passer sous le pont. Easy money. Place-toi à droite de l'hélicoptère, hein, carrément. Allez. Ah mais on se va un peu. Ah, tu l'as là. Bah putain, enfin, t'en auras pris du temps. Dans l'eau. Hop, allez, on y go. On rentre sur Terre. Enfin, on revient sur la Terre ferme après. Dépose l'hélicoptère près de Union Drive. Oh. Non, je sais pas trop. C'est là en plus. Oula. Donc voilà, voilà. Nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés. Oui, sauvegardez. Voilà, une autre mission de fête. On va aller voir pour la plus près là. Oh putain. On attendait ceux-là, ils vont parler, ils vont parler. Oui, voilà. Ah. Moi, je m'en fous qu'il y ait quelqu'un dedans. Voilà. Dégage. On va aller voir Rebuccino. Allez, go! On va voir ce qu'il nous veut encore, ce gland. Hop là. I got two options. Option one, you rip me off. Option two, Luca and his buddies ripped his bolt off. Hey, hey! I left them with the stuff to bring to you as instructed. Maybe you're in on it. Maybe I am. But if you thought that, I wouldn't be standing here right now. You ain't as dumb as you look. Luca hangs out in Castle Gardens. Go see him. Go get my stuff back so everyone can get paid. Now. Right. Donc apparemment il faut aller récupérer les diamants qu'on avait pris la dernière fois. C'était avec le camion poubelle qu'on avait poursuivi. Bah, apparemment des gens le mec avec qui on était pour les diamants les aurait piqués. Bah, les aurait gardés pour lui surtout. Oula. On y go. Il va falloir le poursuivre là. Ils ont des têtes cheloues.
Oui, c'est vrai, faut pas que je les tue. J'ai oublié. On va juste les suivre. Celui-là, je me suis pas mal fait avoir avec ça. Oh merde. En fou, j'ai de la nitro. Oula. Par contre, sur ces deux voitures, ça fait des vues bizarres. Ah bah non, c'est parce qu'on est en train de faire une course poursuite. Oh. Ah, c'est bizarre, ils ont du nitro eux aussi. Attendez, on va tourner. Ah non. Et ils arrivent vraiment à rouler vraiment très vite comme ça. Oh merde. Oh putain. Carrément un camion quoi. Le mec il a retourné un camion. C'est le premier camion que je vois avec tout ça sur lui dans le jeu quoi. Pourquoi mon moteur fume en fait? Oui, c'est vrai. Parce que je me crache pas mal en plus. Dégagez là. Oula. Mais t'es sûr de celle-là? Enfoiré, quand il l'a fait voler l'autre. Toutes les portes de la bagnole sont parties en couille. Moi aussi j'en rajoute une couche. Attendez. Ah putain. Bon attendez, juste reprendre les fils en mêlée. Voilà. Je vais prendre mon clavier souris là par contre. Hop. I'm dead. Hop. On saute. Il est où? Il est là. Le casse plus mon toilette, il veut sortir. Dégage. Je dis pas de témoin. Dors. Excuse-moi, dors. Ah, tu vas mourir, tête de nœud. Il est mort, une balle. Il lèche le sol. Bah oui, I don't fuck me, I don't fuck you. Allez, on y go. Attendez, hop. On reprend la voiture même si elle fait un peu la gueule. Hop. Je reprends ma manette moi. Hop là. Voilà, allez on y va. Ouais, elle fume pas mal. Je pense que c'est à cause des flammes surtout. Enfin à cause du nitro. Je sais pas, c'est peut-être ça, il y a peut-être un bug. Ouais, peut-être parce que aussi j'ai rentré dans mon. Je suis rentré dans beaucoup de choses. Je l'ai fait pour ça aussi. Hop là. Sors.
Putain, y a les flics juste à côté, ils ont rien fait. Ah si. Tiens, ils se décident. Donc on va aller voir qui là de près. Putain, ils sont tous loin. Vas-y, on va aller voir Jerry. Pour changer un petit peu. Cette musique est à chier. Celle-là aussi, mais c'est pas grave. Bon, allez. Oh! Oh, 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 oh! Voilà, c'est bon. Donc là, nous allons retourner. On va aller voir Jerry. Donc, je crois que c'est le frère de Paki, celui avec qui on avait fait le braquage de banque. Voilà. Donc, on va aller faire une mission avec lui. Voilà. Oh! Totalement esquivé. On peut aller tout droit là. Oh. Ok. Très beau crash. Hop là. Je suis garé. Je sens la mission qui sent pas bon. Hop là. Well, in the bank job, it was fun. Fun? Too much fun. That's always been this family's problem. Fun, good causes, a good laugh, some stupid dream or some stupid distraction. But never any fucking focus. Never. Focus. All we've ever been is bitches working for guineas, working for niggas. Any asshole with a buck? A whole lot spent in a proper manner. Oh, yeah. Wine and women as quick as possible and remain a slave. Forever. Very poetical. Yeah, I know. National tragedy. But I got a plan. You down, friend? Maybe. What is it? Well, first up, we gotta create a little problem between the Ancelotti's and their Albanian muscle for Jimmy P. You're gonna plant a bomb in Tony Black's car. Be rigged to a phone. Thing will go off when you dial a number. I want it to blow when they get back from their meeting. So the Ancelottis think the Albanians did it. Exactly. Bombs in an alley off of Incheon Avenue. Get it? Give me a call. You know, Packy was right for once. I'm glad you're on board. So Jerry, I got this bomb. All right, listen. The Ancelottis and the Albanians are meeting in Little Italy. Tony's car is parked in an alleyway off of Feldspar Street. Now you put the bomb in the trunk, then follow the wise guys from their meeting back to the rest of their crew. Then you blow the bomb. Make sure no one walks away. Easy, right? So. They come
they got us over a barrel, Sal. At least it's better than dealing with those fucking drunken Irish bastards, though. Forget about it. Je dis c'était pas discret parce que j'ai coupé mon micro. Il faut que je fasse que je me fasse repérer. C'est un type, je me suis repéré. Quitte pas, j'ai du micro. De toute façon, 6 bars. Ils respectent même pas les feux, les cons. Ah si, ah non. Tu vas me ralentir, mon gars, j'étais à 20 mètres. Rigole ou quoi? Les véhicules, ils font des trucs chelous des fois. Ah, donc là, on le voit assez bien, donc c'est bon. On va pas trop vite. C'est chiant, j'aime pas trop les filatures dans le jeu parce que en plus ça dure une éternité. Wow, un obstacle devant moi. Ah, plus d'obstacles. Ah, tiens, il commence un peu à avancer. On va y aller. J'espère qu'ils sont bientôt arrivés parce que moi je vais pas attendre des années comme ça. Putain, tu fais mieux de ralentir, on me voyait même pas. Non, en fait, je vois pas du tout où ils vont. Ah si, putain, il faut qu'ils fassent encore une bonne partie de la map. Enfin, je crois, je suis pas sûr, je crois que je dis des conneries. Ou peut-être que je crois pas que je dis des conneries. S'ils vont dans une espèce de... truc avec plein de bonbonnes et tout. Ah oui, oui c'est, ouais, c'est ce que j'ai dit. Ouais, genre une zone industrielle au bord de l'eau là. Vous allez voir après. Je m'en souviens. Je suis un PGM. C'est bon, je sais où ils vont. Je peux me garer, je peux y aller à pied. Mais pourquoi ils vont pas tout droit? Oh les. Oh putain, tu vas m'éloigner. Putain. Ah, j'espère qu'il va pas recommencer. Je me cache, je suis caché. Tu me vois pas, tu me vois pas. Voilà. Ça devrait être bon là. On va bientôt y arriver. Je tourne là. Non, je tourne pas là. Oui, bon, bah c'est bon. Ils vont même tourner à gauche. Voilà. On va aller là. Voilà, ils vont juste aller là-bas. C'est bien ce que je disais. Parce qu'on commence à faire moche dans le jeu. Et voilà. J'avais bien raison. On va se mettre là. Genre, on est juste pas discret, on est juste là. Répertoire. Jerry. Explosion. Bim. Tout le monde pète. Tout qui pète. Genre le mec, c'est ça, explosé à côté de lui, il est pas mort. Ouais, il y a le sniper. Oh. Ouais.
savent même pas qui je suis. Comment devrais-je? Dis pas qu'il y a des passants qui m'ont vu carrément. C'est juste carrément abusé là. Ils vont même savoir dans quelle direction je vais. Alors que personne ne m'a vu. Putain, trop belle cette voiture. Un pied, je les ai semés. Oh, non, merde, je sais pas semer. Ouais, bon, voilà, c'est bon ici. Bon, voilà, donc je vais vous dire. À plus, tout le monde. Donc, pour une nouvelle vidéo. Donc, allez, ciao et vive les jeux vidéo.